Alors bien sûr, vous pourriez vous demander, mais cette banque, elle gagne de l'argent, à force d'être généreuse comme elle a l'air de l'être. Oui, on gagne beaucoup d'argent. On gagne beaucoup d'argent qu'on recycle dans nos missions d'intérêt général, de financement de la formation ou de financement du risque que nous prenons. Et pourquoi est-ce que, au fond, tout ça fonctionne? Parce que nous sommes sélectifs. Nous sommes sélectifs, nous n'allons pas financer des entreprises dont nous pensons qu'elles sont condamnées. En revanche, des entreprises qui se sont cassées une cheville, on va les financer. Une entreprise qui est en fait dans un stade terminal d'une maladie qui a démarré en général depuis très très longtemps et souvent pour des raisons managériales, nous ne l'accompagnerons pas. Ce n'est pas le rôle de BPI France. Il y a d'autres dispositifs, le cas échéant, qui peuvent exister. Il ne faut pas qu'ils soient d'ailleurs trop généreux, ces dispositifs-là, parce que nous pensons que l'économie doit constamment se renouveler. Voilà. Donc on est dans la destruction créatrice et nous, on est un gros gros acteur, en fait, de la destruction créatrice. On est vraiment. Normalement, vous devez savoir ce que c'est qu'une banque schumpeterienne. Voilà. Donc nous sommes une banque schumpeterienne assumée, absolument assumée. Donc n'ayez pas d'inquiétude, nous ne serons pas le Crédit Lyonnais, mais nous allons engendrer, nous avons et nous allons continuer d'engendrer de nouvelles générations d'entrepreneurs, sachant que, et je termine là mon propos, pour vous dire que dans les 10 années passées, BPI France a beaucoup, beaucoup grandi. Mais il y a autre chose qui a beaucoup, beaucoup grandi, c'est l'État-providence et la dette publique et les déficits publics. Et tout ça doit boucler à la fin. Et donc nous pensons que la seule solution pour financer cet État-providence particulièrement généreux, légitime, c'est qu'il y ait 2 fois plus d'entrepreneurs. Notre rôle à nous, c'est de faire ça. C'est qu'il y ait 2 fois plus d'entrepreneurs, donc que notre patrimoine d'artistes entrepreneurs dont nous sommes les impresarios soit beaucoup, beaucoup plus profond. On vous attend. Nous avons besoin de vous.